Yo les petits fruits, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pack opening de 32 packs Apex. Vous savez que j'adore les pack opening et en vrai, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'Heirloom. J'ai très envie qu'on en ait un, bon, c'est logique. Et dans tous les cas, on a un pack légendaire et deux packs d'event. Les deux packs d'événements, attendez, est-ce qu'il est encore là l'événement? Ah non, il y est plus. En vrai, j'ai un petit peu le seum. Mais tant pis, je sais plus ce qu'il y a dans l'événement, mais je sais qu'il y avait 2-3 skins qui m'intéressaient. J'espère franchement qu'on va avoir des bons trucs. On commence tout de suite. Et du coup, en pack légendaire, s'il vous plaît, pas une bannière. Ok, je croyais dans ma tête qu'il allait avoir deux légendaires. Un petit peu le seum. Oh, en vrai, je suis très content. Je n'aime pas du tout le gameplay de Revenant, mais je n'aime pas les skins aussi de manière générale, sauf un. Sauf un skin, c'est lui. Attendez, mais je pensais que c'était un skin d'event et qu'on pouvait l'avoir qu'avec l'événement Halloween. En tout cas, je suis très content. Franchement, peut-être qu'un jour, je jouerai Revenant juste car j'ai ce skin. Ça me fait très plaisir. En vrai, je suis très content. Ok, maintenant les deux packs d'event. S'il vous plaît, pas de la merde. J'ai du légendaire. Je sais plus s'il y avait des trucs de fou. Oh. Yes! Vraiment, sérieusement. Je sais pas si vous l'avez vu sur TikTok. J'ai fait un TikTok spécial juste pour dire que ce skin, je le trouvais incroyable. J'ai déjà de beaux skins sur Pathfinder, mais alors là, je chope un autre skin que je vais mettre en favori aléatoire. Ça me fait très plaisir. Franchement, on a un début de pack opening qui me met le smile. Vraiment, ça me met le smile. Aussi, on a une emote de Vantage. Bon, celle-là, pas folle. Si on a encore une dinguerie dans le pack d'event, mais alors là, c'est incroyable. Franchement, attendez, on fait comme ça? Moi, je vois pas. Je crois que j'ai entendu le bruit d'un légendaire, là, non? Attendez. Oh, mais incroyable. Bon, c'est le skin que j'aime pas trop. Oh, en vrai, avec la modification de couleur que j'ai, ça passe. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment bien, mais moi, c'est pas trop mon skin favori. Mais avoir un légendaire comme ça, enfin, j'ai pas eu de la merde, j'ai pas eu de holo spray. Franchement, ça me met très bien. En plus, un skin d'event, au final, c'est ça de gagner. Franchement, c'est ça de gagner. Ah, et j'ai aussi un pack épique, je savais pas. Non, vraiment, on est sur un début de pack opening qui me met très bien. Deux packs épiques. Là, des holo spray, ça me met très bien, en vrai. Oh, ok. La pose de Valkyrie, pas dégueu. Par contre, la pose du H, ouais. Ouais, pas mon délire. Là, maintenant, c'est le pack thématique de Valkyrie. Mais attendez, mais on est sur une... Attendez. Ah non, ok. Bon, c'est pour ça que j'ai dit, attendez, je voulais pas m'enjailler. Je me suis dit, si on a une image de bannière, pas fou. Et c'est sur H et... Ouais. Bon, au final, pas fou. Et un pack de crypto. Il y a des skins de crypto que j'aime bien. Je sais même pas. En vrai, de vrai, je sais même pas s'il y a des skins de crypto que j'aime bien. Non, mais franchement... Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de pack opening comme ça. Bon, malheureusement, je suis tombé encore sur une image de bannière. Mais le légendaire, mais il tombe à balle. C'est incroyable. J'espère qu'on va pas épuiser toute la chance et que ça va se passer comme ça pendant tout le pack opening, hein. Là, on est sur une dinguerie. Oh, l'holo spray est pas dégueu, hein. Oui, il est pas dégueu. Bon, c'est sur Catalyst, si j'ai bien compris. Bon, c'est pas mon délire, du coup. Je la joue jamais. Mais dans tous les cas, je suis très satisfait de ce pack opening. Même s'il n'y a pas d'héritage et tout, même si ça fait longtemps, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire, c'est incroyable. Est-ce que je suis encore obligé de commenter? Est-ce que la vidéo n'est pas déjà finie? En vrai de vrai, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de pack opening comme ça, et puis j'ai encore un légendaire. Ah, oh si, en vrai. Attendez, j'avais pas de skin sur le P20-20. Bon, je pense qu'il y a mieux. Attendez, on va regarder ça ensemble. Équipement, pistolet, P20-20. Ouais, j'avais pas de skin, donc déjà, ça fait plaisir. Ah oui, ça change. Ah, ça change la gueule, quand même. Ok, ça fait plaisir. Et... Ah si, ce skin-là, le Justice, il est incroyable. En vrai de vrai, il est incroyable. Si je l'avais tapé, lui... J'aurais kiffé ma race. Mais en vrai, je pense que j'aime que Justice et puis bah, Sceptre de la Mort, ça doit être mon deuxième préféré. C'est pas forcément mon kiff, mais ça doit être mon deuxième préféré. Ok, ça met bien. On a un très bon pack opening. Hein. Vraiment, si on a encore du légendaire là d'ici, allez, je sais pas, 7 packs, c'est la probabilité, juste la probabilité, c'est incroyable. Je n'ai rien à dire, franchement, c'est... Waouh! Déjà, en ce moment, je le dis, hein, en ce moment, je vis ma meilleure vie parce que sur les streams, vous êtes beaucoup. Je répète, hein, si jamais, on stream tous les jours de semaine de 15h30 à 18h30 sur Twitch et tous les week-ends de 9h à 12h. Donc, voilà, je le dis pas forcément beaucoup en vidéo, j'en parle même jamais.
Et là, bah, pour une fois, je viens de le dire et tout, je viens de donner mes horaires. Mais en ce moment, vous êtes incroyablement beaucoup. C'est incroyable, je suis en train de kiffer ma vie. On a encore un légendaire. Et là, on est sur probablement l'un de mes meilleurs packs opening. On a que du légendaire. Et c'est pas que des bannières et tout. Bon, là, c'est un skin de Cire. Cire est un perso que je n'apprécie pas particulièrement jouer avec, etc. Même ses skins, c'est pas mon kiff. Mais dans tous les cas, on a du légendaire. Et c'est un skin, c'est pas un holospray. Ça me fait kiffer ma race. Je n'ai rien d'autre à dire. Comment puis-je être encore plus reconnaissant que je le suis actuellement dans ma vie, en fait? C'est... Enfin bref, je vais arrêter de faire le cucu, mais... J'adore. C'est incroyable tout ce qui se passe en ce moment. Si on a encore un seul légendaire de tous les 15 packs qui restent, franchement, je sais pas quoi dire de plus. Je ne sais pas quoi dire de plus. Il manquerait plus que le heirloom. S'il y a l'heirloom, l'héritage, là, on est sur la pépite des pépites de tous mes packs opening que j'ai fait ever. Je le dis. Franchement, je le dis. C'est incroyable. En plus, ça m'a pris du temps de cumuler les packs Apex. L'événement qu'il y a eu pour l'anniversaire d'Apex plus les drops Twitch, en vrai, ça a mis très très bien vu qu'il y avait 3 packs Apex gratuits dans l'event. Je crois qu'il y avait aussi 8 packs Apex gratuits, etc. Ça met très très bien. Franchement. Oh. En vrai, j'aime bien la pose de Blood. Ok. Et je crois que c'est la deuxième deuxième tracker de stats que j'ai avec Revenant, mais malheureusement c'est pas le même skin et du coup ça se complétera pas, ça c'est dommage. Un ok, un épique, qu'est-ce que ça... En vrai, il y a des épiques qui sont intéressants, mais je pense que, bah, comme on vient d'avoir, les matières premières épiques c'est ce qui m'intéresse le plus. Je pense que vraiment il n'y a pas mieux comme ça, tu t'achètes un skin légendaire quand tu peux, et on a encore un légendaire. Mais non, mais je peux pas être plus reconnaissant, c'est bon. Un skin d'Octane. J'ai déjà des skins d'Octane que j'aime beaucoup. Celui-là, c'est pas mon kiff. Oh, en vrai, oh, c'est stylé son dos. Oh, franchement, c'est stylé. J'ai déjà un skin que j'adore, je pense pas le remplacer, mais lui, je le mettrais en favori aléatoire dans le pire des cas. Et vraiment, ça met trop bien. Ce pack opening met trop bien. Et l'holospray, il est pas dégueu. En fait, le problème, c'est que j'aime bien les holosprays et les émotes, moi. Mais je connais pas ma touche pour les faire. Donc au final, je les utilise pas. Je suis l'un des rares mecs, l'un des seuls à aimer ça. Mais je les utilise pas. Bon, pourquoi pas. Vraiment, s'il y a encore un truc. Déjà, là, il y a 3 bleus d'un coup. C'est... Vous savez très bien, ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, surtout mes packs opening, que j'aime quand il y a 3 bleus qui s'enchaînent. Et là, il y a un heirloom. S'il y a un heirloom, alors là... J'y ai cru. En vrai, de vrai, j'y ai cru. Le timing aurait été incroyable. Oh, la pose dash. Pourquoi pas. En vrai, de vrai, pourquoi pas. Il reste 5 packs. Je pense qu'on va être chill. Je pense que là, pour cette fin de pack opening, on va être chill. Plus que 4. Attention. Comment ça va se passer? S'il y a encore un truc. En vrai, je suis en mode, j'ai pas besoin d'un truc en plus. Mais s'il y a un autre truc, c'est une dinguerie. Alors vraiment, j'aurais rien d'autre à dire. Je surkiffe ma vie en ce moment. Et là, avoir un pack opening comme ça. En plus, ça vous fait plaisir à vous aussi, les pack opening. Je le sais, ça nous fait plaisir dans les deux camps, en fait. Donc, c'est incroyable. Vraiment. Allez, un autre. Un autre. Non, en vrai, de vrai, je pense que... Vraiment, là, on est sur le dernier pack. Soit c'est chill, soit c'est un héritage. Voilà, à vos pronostics. N'hésitez pas à marquer en commentaire. Attention. 3, 2, 1... J'y ai cru. En plus, et on termine le pack opening sur 3 packs bleus. Est-ce qu'en vrai, j'ai envie de pleurer vu que je kiffe ça? Peut-être un petit peu, mais est-ce que ça veut dire que le prochain pack opening qu'on va faire, le premier pack qu'on va ouvrir, ce sera un héritage? En vrai, ce serait incroyable. En tout cas, les potes, j'espère que ce pack opening vous aura fait kiffer. Moi, vous savez très bien que c'est le cas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, vous abonner, vous connaissez tout le schéma. Sur ce, les potes, bye!